pas trop de soleil dans ce pays-là. Ah ça, on a le coucher du soleil, on ne voit pas. Là, on est en débardeur, il fait 15 degrés, c'est le matin, voilà, c'est appréciable quand même. Hein. Du coup, on va faire plein de soleil, ouais. De chaleur. En gros, on va rentrer en France, ça sera l'été, alors qu'on va rentrer au mois d'avril, on va geler. bon, c'est le jeu, hein. Ouais, j'ai froid. Moi aussi, on dirait pas comme ça, mais il fait froid. Il fait... On a 11 degrés dehors, mais il y a un vent. Ouais. Franchement, ça équivaut à un petit 2-3 de chez nous, ça. Ça caille à mort. Glacial. Ouais. Mais il paraît que c'est pour nous habituer, pour nous réacclimater. Ouais. On rentre dans la joie et la bonne humeur. Mmh. Ou pas, ouais. Mais quand faut y aller, faut y aller. Il nous annonce un temps magnifique là pour remonter. C'est une blague. Beaucoup, beaucoup de pluie, donc on va essayer de jongler en fonction de la patience des enfants et de la météo. Et puis voilà, on va faire la remontée. Mmh. On vous emmène avec nous. Mmh. C'est parti. Mmh. J'espère que vous êtes prêts. Notre tour a été plutôt surprenant, animé, perturbant. Bref, je sais pas trop comment on peut le qualifier, je vous laisserai juger. Et on vous retrouve juste après pour vous expliquer pourquoi on a dû rentrer. Ça va tes bras ? Affreux. La tempête. Ça va faire 2 heures que je suis à... C'est quoi ça ? C'est 10h10 là. Je lâche pas. Oh, je vais prendre des épaules mon petit. Attention, prendre des bourrasques dans tous les sens, c'est la folie. Mais bon, et je vois de l'Espagne. Impressionnant le vent qu'il peut avoir sur tous ces autovias. Peut-être on est mal tombé, mais moi je vois ça fait 2 mois qu'est-ce qu'on engouffre du vent. C'est un truc de fou. Et là la pluie aujourd'hui. Mais bon, on verra. Il paraît que ça va changer la météo. Et on sera en France quoi. Allez, je double. Ça va, tu souffles un peu? Route compliquée, beaucoup de vent, beaucoup, beaucoup de vent, beaucoup de camions. Beaucoup de pluie? Ouais, beaucoup de pluie. Pff, oh la folie. J'en pouvais plus, oh, j'avais mes mains à 10h10 là. J'avais mal là et tout. Tais-toi, Zazette. Et la consommation qui grintait aussi? Bah, un petit peu, ouais. Parce que pour me sortir du flux de camion, bah, rouler un peu plus fort. En respectant les limitations, hein, tout de suite. Hein. D'habitude, je roule à 100. Je mets mon petit régulateur à 100. Comme ça, je suis tranquille. Là, j'étais à un petit 110, 115 pour sortir du flux des camions. Parce que c'était la folie. Puis là, en arrivant sur le spot, ben, on prend la route, on voit des camping-cars et un Français qui me fait « Non ! Je fais quoi ?» Route fermée. Du coup, là, on vient faire un détour d'un quart d'heure pour trouver le spot. Normalement, on a l'air d'y arriver. Mais il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Les routes, elles sont à moitié inondées. C'est la folie. Franchement, c'est impressionnant. C'est dingue. Mais bon. 2400 mètres et normalement on est arrivé. Aussi bien l'air de camping-car, elle est inondée des deux côtés, on peut pas y aller. Oh là là. Ouais, il est tard, on s'est pas pris la tête. Là. C'est air de camping-car et puis de toute façon demain matin c'est école et on continue la remontée. Donc, Sous la pluie encore. Sous la pluie, ouais. Pour la remontée on s'embête pas, c'est air de camping-car. Sauf s'il y a vraiment un spot sur la route qu'on trouve vraiment... chouette, mais bah d'autant plus que là il pleut donc même le spot chouette qu'on avait en fait on l'a squeezé pour la facilité, ouais, au moins on est sûr de pas être embourbé demain matin aussi. Ouais, c'est clair. Ça y est, on est arrivé. Bon, l'air n'est pas inondé mais on n'est pas nombreux, hein. Il y a 2 autres vannes là et c'est tout. C'est dommage parce que franchement on a une vue sur la mer.
avec une petite balade, un petit ponton bien sympa, donc dommage qu'il fasse bien pourri. Pas inondé, t'as pas pris... t'es pas sorti toi? Ah, c'est inondé? Non, mais bon. Bon, alors on rembobine, l'air est inondé. Ça dépend les endroits. D'accord. On va sortir les bottes pour l'Espagne. On n'a pas de bottes de pluie, non, on a prévu les tongs, mais pas les bottes de pluie. Hein. C'est clair. Bon, ça va qu'on remonte. Allez, je vais préparer un petit repas et puis on va se poser un petit peu. À plus tard. Le soleil vient de se lever. Ah non, il n'y a pas de soleil. Bon, on se prépare à faire une nouvelle journée de route sous le soleil? Sous la pluie? On recommence. On prend les mêmes et on recommence. Petit déj, un peu d'école. Et on va le trouver ce soleil. Bah à 10h10. Ouais, il y a l'air d'avoir encore beaucoup de vent, ouais. Ouais, donc, t'es pas mal à l'abri du vent. J'avais peur en arrivant parce qu'en fait on est vraiment... Bord de la mer. Ouais, il y a, on est à 10 mètres. 10, ouais, 10-15 mètres, mètres, on la voit. Et en fait, dormi comme une pierre. Il y a juste le son des vagues. Ouais, c'est agréable de retrouver le son des vagues. C'est clair. On va pas se plaindre. Hein, mais... Ouais, au final, j'aurais préféré avoir le soleil quand même. Bon. C'est vrai. Et on fait avec ce qu'on a, on s'adapte. Il est où le soleil? Il est où? Il est où? Il n'est pas là. Il est où? Le soleil, il est où? Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. On l'a perdu, nous. Le soleil espagnol, il nous aime pas. Il s'est barré. En fait, t'as roulé trop vite, c'est ça? Tu l'as semé. Ouais, je savais qu'il y avait un truc. Non, c'est vrai. Hey, Pablo, t'es caché derrière les céréales. Dino. Dino. Et derrière le Billy. Coucou. Ah ben, il est là, Pablo. Ah, Roman, elle garde ses céréales. Hein. Juste avant de partir d'Espagne, il faut quand même que je trouve des céréales dinosaures au chocolat. Oh là là. Pour les fans de dino, là, c'est... C'était fête ce matin. Ouais, du coup, tous les matins, on a l'inventaire. Ah, ça, c'est le diplodocus. Ça, c'est le machin à dents de sabre. C'est le smilodon. Ouais. C'est le tigre à dents de sabre. Ouais. Ça, c'est l'ancêtre le dinosaure. Du tigre. Ouais. Et le mammouth, les nœuds, c'est l'ancêtre. De l'éléphant. Mammouth les nœuds. Il connaît rien, c'est pas possible. C'est un mix entre le mammouth et le mouton. Eh, c'est même pas vrai. Mais d'abord, par contre, on a trouvé une nouvelle variété, une race de chiens en Espagne, c'est le chien mouton. Il y en a beaucoup ici, c'est des chiens et ils sont frisés, ils ont dirait des moutons. Non mais c'est ça, comment on n'a pas regardé la race pas. Du chien. On dirait, c'est on des dirait... chiens moutons, on a appelé ça. Moi j'avais dit qu'ils ressemblaient aux ours comme Baddington. Ouais aussi, ouais. Mais Baddington. Mais ils frisent pas. Mais ils sont bien énormes, frisés, ouais. Et puis ils sont énormes aussi. Ouais. Énormes et frisés, ouais. Non, et moi j'ai vu un dalmatien qui faisait cette taille. Oh. Oh. Tada! Tada! Bah allez, on va se préparer. Incohérence espagnole. Tu sors de la ville, c'est marqué, t'as un panneau 90. Et juste derrière, t'as un panneau contrôle radar à 70. Bon, ouais, j'ai roulé à 70, hein, mais bon. Chercher l'erreur. Il n'y a pas qu'en France. Hein. Mais bon, 90 maintenant. 10h10. Non, ça va, on est là, on est sur la nationale, on va dire. Pas sur l'autovia, du coup, il n'y a pas de camion. Et beaucoup moins de vent. Ouais, mais toujours autant de pluie par contre. La blague du jour. Regardez par où le GPS veut nous faire passer. Bon déjà, il n'y a pas de panneau de hauteur, mais à vue d'œil... On passe pas. On passe pas. Et voilà. La route est inondée. Tu sais pas, hein, y a tellement d'eau que peut-être en fait on descend et on ressort de l'autre côté. Toi, tu veux vraiment un Olaf décapotable en fait. Je sais pas ce que je veux moi. Je veux manger. On a faim. Allez, demi-tour. C'est bon, on a mangé. Fait du bien de manger, hein. Faire la vaisselle maintenant. Waouh. Quel homme. T'as vu ça. Allez, petit moment de détente.
C'est un moment de détente de faire la vaisselle. Ouais, on va dire que c'est un moment de détente pour moi en tout cas. C'est pas déplaisant, franchement. Il y a pire. Hein. Les loulous jouent à la pâte à modeler et après on roule encore. On n'a toujours pas récupéré le soleil. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais là, on a perdu un peu la pluie. Ouais. C'est gris. Il fait gris, mais il pleut plus, donc c'est déjà ça. Et puis, ouais, donc je disais, pas le choix. De toute façon, il faut qu'on remonte. Donc on avale un peu les kilomètres. On a retardé la montée au maximum, mais là, il faut y aller. Allez, c'est parti. Papoum, qu'est-ce que tu fais, Pablo? Papoum. Donc, on va voir le gâteau. Donne à papa. Waouh, un gâteau Ferrero Rocher. Oh, je mangerais bien Ferrero Rocher. Et il y en avait, tu sais. Tu sais qu'il reste une boîte. Il reste une boîte dans le placard de la maison. Pourquoi tu n'as pas pris? Tu viens d'égayer mon après-midi là. Il reste une boîte de Ferrero Rocher dans le placard de la maison. Je me rends. Et c'est ma boîte. Parce qu'il y a un tiroir de réserve de bouffe qu'on n'a pas pris. Parce qu'on avait tellement de réserves de bouffe qu'il y a un tiroir qu'on n'a pas pris. On a dit, bon, ça s'abîme pas, on verra en rentrant. Donc il reste une boîte de Ferrero Rocher. Pour maman. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des Ferrero Rocher? Allez, on profite de l'accalmie pour faire une petite marche rapide histoire de profiter encore un peu de la beauté des paysages côtiers espagnols. Et puis, aussi pour nous défouler. Enfin, les défouler, histoire de reprendre la route dans le calme le plus parfait. Ouais, ça c'est ce qu'on pensait. On a récupéré le soleil, la chaleur et tout, un truc de dingue. Ouais, 19 degrés. Oh. Ouais, j'ai essayé d'enlever, mais j'ai le soleil dans les yeux. Bon, je remets les lunettes, vous m'excusez. Bon, voilà. Il nous reste combien à peu près 40 minutes. 40 minutes d'Espagne. Avant la frontière. On est allé faire les courses. On est tellement chargé de... Ouais, pas de conneries ou quoi. Non, de pinard, d'huile d'olive et d'autres... Quelques petits gâteaux, un peu de... Des madeleines. Charcuterie, madeleines. Ouais, du lourd. Premier rond-point, arracher les tiroirs. Ça m'a arraché toutes les tirettes de tiroirs. Du coup, bah heureusement, j'avais la visseuse. Bah là, j'ai tout vissé les tiroirs. Là, ils peuvent plus bouger. Hein. Mais ouais. Par contre, ça va être un peu plus compliqué, ça. Il va falloir reprendre la visseuse pour ouvrir les tiroirs. C'est ça. Mais bon, dernière ligne droite avant la rentrée, on modifiera ça. Quand on sera rentré. Et puis voilà. Hein. On fera une petite vidéo, d'ailleurs, des choses qu'on aimerait faire évoluer dans Olaf. On s'est rendu compte que c'était pas pratique ou ça nous convenait pas. Donc, on vous fera une vidéo récap sur tout ça. On est où les filles? En France! Ça y est! On a repassé la frontière! Wouhou! Wouhou! Faut qu'on le fasse toi aussi le bourreau? Je sais pas, je suis pas sûr. Hein. On a fait le plein avant de passer à la frontière. Ouais, 50 km avant, donc bon, on l'a pas refait à la frontière. Mais je suis pas sûr qu'on fasse wouhou! Qu'on va aller faire le plein et wouhou! Qu'on va aller aux courses! Il était à 1,76. Dernier plein, ouais, 1,76. Donc là, en fait, la fois où on l'a fait 1,92 ou je sais pas combien, je sais pas, il y avait... Soit la ville... Pardon, je vous ai secoué. Soit la ville était chère, soit, j'en sais rien, on s'est fait avoir. Non, on a voulu faire les bons touristes et se faire avoir. Comme tout touriste, tu te fais avoir au moins une fois. Donc, ah oui, c'est vrai. Donc là, on s'est fait avoir. Oui, parce que dans la pompe, il y avait que du gasoil premium. Ouais, il y avait que du gasoil premium. Donc au final... C'est pas mauvais de temps en temps, moi j'aime bien en mettre pour soi-disant c'est un peu meilleur, donc j'en mets de temps en temps, donc là bon on l'a mis, c'est pas grave. Je suis pas sûr de le remettre en France, hein, ce à 2,20, 2,30 ou peut-être 2,50, je sais pas combien il est actuellement, je suis pas sûr d'en remettre, mais bon. Tiens, et en parlant de se faire avoir. Bon, on
On vient encore de se faire avoir. En fait, on est passé par le, par la Jonquera. Et alors, il y avait une sortie de route. On n'a pas réfléchi. On a vu Perpignan. On y est allé, quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas indiqué qu'on rentre direct sur l'autoroute française. Bah sur le coup, en fait, on a vu un péage qui était, ils étaient en train de démonter, mais le péage espagnol. Du coup, on se dit bon, bah, de toute façon, on va bien nous dire dernière sortie avant péage en France, donc on sortira après. On prend la première sortie et péage. On a pris, allez, 2 km de route, 1,30€. Bah, on met sans vaseline, merci la France. Arrête, on va dire que t'es vulgaire encore. Oh, je suis pas vulgaire, c'est la vraie, c'est la vérité. On a presque pas roulé sur la route. On prend jamais les autoroutes, déjà parce qu'on n'aime pas ça, et puis. Enfin voilà. Mais là, ouais, même pas deux bornes quoi. Deux bornes en France, 1,30€. Merci bien quoi. Allez, on continue. C'est pas comme si nous venions de parcourir l'Espagne sans payer un seul péage. Bref, il se fait tard et on décide de s'arrêter dans un endroit un peu particulier. Voilà notre premier spot en France. Vous reconnaissez ou pas ? Ça y est, la boucle est bouclée. Ouais. On est parti de là, pas exactement là. C'était notre deuxième spot au départ. On avait fait une halte à Uzès et ensuite on était venu là quand on était descendu en Espagne, à l'Étanto. Et voilà, nous voilà sur le retour, de nouveau, sur le spot au bord de l'Étanto. Ça fait bizarre ? Ouais, ça fait bizarre. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce qu'on est parti avec le soleil, on revient avec le soleil. Alors cette nuit, par contre, différence avec l'Espagne, on est descendu à 4 degrés. L'Espagne, il y a très peu d'amplitude entre le jour et la nuit. Et ici, par contre, il y en a beaucoup plus, quoi. Là, il fait déjà super bon, là. Je pense qu'on doit être à un petit 16. Ouais. Je dis un petit, hein, mais bon, un bon 16 degrés avec le soleil. En Espagne, c'est vrai qu'on avait, 11 la nuit et puis on montait à 19-20 la journée. Et puis on n'a pas de vent, ça fait du bien. Parce qu'en Espagne, on a eu pas mal de vent à certains moments et c'est vrai que c'était pas trop agréable. Mais bon, on va pas se plaindre. Allez, on continue. Je valide. Allez, on quitte notre spot au bord de l'Étanto. On a un rencard. Ouais, en plus il s'est fait tout beau, il paraît. Bon, faut quand même qu'on vous montre avec qui on est. Benito, Olaf. Fallait bien qu'ils fassent connaissance ces deux-là. Et puis nous avec Cédric aussi quand même. Dis donc. Ah merde, c'est filmé. T'es bon gosse. Aïe. Bon, depuis le temps qu'on devait se le faire cet apéro. C'est clair. Au moins. Au moins. On devait le faire en Espagne. C'est vrai. Et disons que en Espagne, la météo ne me voulait pas là-bas. Je pouvais pas. C'est un comble quand même. Mais bon, mais maintenant on le fait. Voilà, c'est l'essentiel. J'y arrive toujours. Exactement. Ça y est, on y est enfin arrivé. Et quel bonheur ça a été de pouvoir enfin échanger, en vrai. Une rencontre bien trop courte, même si elle s'est poursuivie tard dans la nuit. On n'a pas vu le temps passer. À refaire très vite, ici ou là, comme on dit. Pour nous, il est temps de poursuivre la remontée.
On continue notre remontée. On s'est arrêté, on est à Montélimar. Et regardez le thermomètre extérieur. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est 4 degrés extérieur. Non mais, 4 degrés, on n'a pas l'habitude nous, plus du moins. Et on se dit que là, il fait encore plus froid où on va. Ben, on n'a pas ce qu'il faut en vêtements. Donc bon, on va faire tourner le chauffage, c'est pas grave. Sauf qu'à ce moment-là, on était loin d'imaginer que la suite allait être un peu plus compliquée. Il neige ! Il neige ! Je crois qu'il y a un problème. On a une heure de notre point d'arrivée. On a de la neige. La neige ! Impressionnant. La neige comme la neige ! Un truc de fou. Il fait 1 degré dehors. Non mais c'est un truc de fou. En fait, on n'est pas au mois d'avril là, on est au mois de décembre. Oh, vive le vent, d'hiver. Qu'il se voit, qu'il fasse soufflant dans les grands sapins verts. Oh. Vous avez préparé votre lettre au Père Noël? Non. Oui. On en rigole, hein, mais c'est pas vraiment l'accueil qu'on avait imaginé. Un manteau blanc et épais. Et le pire, c'est que ça ne s'est pas arrêté. Bon, premier réveil à Grenoble. Il neige. Avec de la neige. Il y a quoi? Il y a 3 cm sur le toit de la maison. C'est cool. Ah ouais, ça a même bien bien neigé. Petit point météo, il est 10h30, il fait 0,6 degrés dehors. En plein mois d'avril, tout va bien. Ou pas. C'est bon, tu t'es bien habillée, Lison? Oui. Bonnet, tour de cou? Oui. Manteau? Ouais, c'est tout bon. Vous êtes sûr qu'on rentre d'Espagne, franchement? Ouais. Attends. Pourquoi? On avait dit quand on rentrera d'Espagne, c'est bon. On aura déjà les tongs et tout, mais en fait, Bon, vous êtes prêts pour la surprise? Ouais. En fait, on vous a pas dit, mais personne sait qu'on est là. Donc, on va faire la surprise à la famille. On va voir leur réaction. Du coup, c'est pour ça, Doudou, il est pas habillé, moi non plus, parce qu'en fait, elles partent en éclaireur pour faire un petit coup de sonnette surprise. Et puis moi, j'arrive avec Olaf et Doudou après. C'est parti? Allez, go! Ouais, allez, allez dans la neige! Ciao, ciao! Bon courage, hein! Merci! Merci beaucoup! Hein, Doudou? Nous, on repart en Espagne? Non, ouais! Ça y est, on est rentré. Un retour un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Déjà, par des conditions météo pas tip-top. Glacial. C'est ça. Et puis voilà, il y a plein d'émotions qui sont succédées un peu dans nos têtes. Donc voilà, pourquoi on est rentré? Alors déjà, on avait toujours envisagé une date de retour en avril pour signer la vente définitive de notre maison. Sauf qu'on n'imaginait pas un retour aussi rapide. En fait, on a reçu un message du notaire qui a un peu précipité notre retour. Parce qu'il a fixé avec les futurs acheteurs une date de signature très proche. Du coup, bah, pas le choix, faut remonter. Et parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait laissé la maison dans un état de brouillon. Non, elle était... Elle était vidée aux trois quarts. Il restait un quart à vider. Donc, vous vous souvenez, on est parti dans un contexte un peu particulier avec notre histoire de carte grise. Donc, on a laissé un peu tout à l'abandon. On voulait partir. C'est ça, c'était la priorité. Du coup, bah, il a fallu qu'on remonte, parce que là, il faut qu'on vide, qu'on nettoie, et qu'on rende les clés. Et qu'on signe. Et qu'on signe. Enfin, ouais. Donc voilà, les prochains jours s'annoncent chargés. Et aussi, donc on vous en avait parlé, on voulait être présent au SVA de Nantes. Et puis, bah voilà, vu qu'on est là, on est en France, donc on vous confirme qu'on sera bien au SVA de Nantes en fin de semaine. Donc c'est à Corcoué et c'est du vendredi 15 au dimanche 17, c'est ça?
C'est ça. Ouais. 15, 16, 17, ouais, ça fait 3, c'est bon. Donc si vous êtes dans les parages et que vous voulez nous voir, bah, n'hésitez pas, ça nous fera vraiment plaisir. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous pensez être au SVA de Nantes ou pas. Donc qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne dans les prochaines semaines? On s'est posé la question avec Cédric, vu qu'on était rentré en France, ouais. Est-ce qu'il faut qu'on continue à vous partager notre aventure en Andalousie? Parce que donc on a un petit décalage dans les vidéos et on a encore pas mal de choses à vous partager sur notre périple en Andalousie. Des choses qu'on a adorées, d'autres qu'on a beaucoup moins aimées. Bon, on a hésité et au final, on pense continuer à vous partager notre aventure. Il va rester quelque chose comme 3 vidéos à peu près sur l'Andalousie. Donc voilà, dites-nous si ça vous va ou pas, ou si vous voulez qu'on arrête, qu'on vous partage plus notre voyage là-bas. Mais bon, ce serait dommage quand même, je pense, parce qu'il y a eu ouais, il y a des belles choses encore. Il y a eu des belles choses. Dans l'idée, on va vous partager donc la suite du périple andalou. Et puis, on aimerait vous faire une petite vidéo bilan sur nos premiers pas de vie nomade. Donc, le côté pratique, à savoir si, ben oui, effectivement, Olaf nous convient ou pas. Ce qui va, ce qui ne va pas, et notre ressenti sur cette nouvelle. Si elle me convient ou non, à donc, vivre tous les jours. Bah ça, t'es foutu, t'as signé, hein, c'est déjà fait. Hein. T'as pas le choix. Si. Désolé. Divorce. Chut. Allez. Vous avez vu comme il est? Non, mais j'y crois pas. Tu dégages. Oh non, plus sérieusement, ouais, donc notre ressenti sur cette vie nomade. Et puis, on aimerait, on va vous partager notre réflexion sur l'avenir et les changements qui vont intervenir. Parce que ça va encore pas mal bouger chez les Grunge dans les prochains mois. Ouais. Donc voilà, on a plein de choses à vous raconter. Donc j'espère que le programme vous plaît et que vous avez envie de rester avec nous. Et puis, qu'est-ce qu'on devait dire d'autre ? Moi, je voulais revenir sur une rencontre qu'on a fait en remontant, même si elle était brève parce qu'on devait monter rapidement, de Cédric le Nomade. Donc, une super rencontre d'un youtubeur, instagrammeur, vanlifer. du coup, si vous ne le suivez pas encore, allez voir. Donc, c'est Cédric le Nomade. Donc, il fait des vidéos, il partage aussi, il a partagé son aménagement, et il partage maintenant sa vie van life. Donc voilà, une super rencontre, on a passé une super soirée, on a bien rigolé. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les petits pouces, les petits commentaires, et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo à 18h30 comme d'habitude. Et puis, pour ceux qui seront présents à Corcoué, rendez-vous jeudi en vrai et pas derrière l'écran. On y sera. On y sera à partir de jeudi soir. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt. Qu'est-ce que tu fais, les os? Deux secondes. Il y avait des billets. Oui. Des billets de quoi? De chocolat. Ah, de chocolat. Des billets. Et regarde comme Paddington. Quoi? Je cherche. Tu cherches quoi? Je cherche s'il y a des chocolats. Du chocolat? Parce que tu crois que notre réserve de chocolat, elle est là? Dans le pare-soleil d'un chocolat. Je sais, moi, où elle est, Lisa. Elle est où on mange nos chocolats? Voilà, tu peux tirer à fond. Regardez-moi les tous les deux là. Eh ben on fait un lit. On n'a pas dormi ensemble. Hein. Mais pourquoi t'as honte de le dire? C'est moi qui ai honte de le dire. Écoute, c'est très très bien. Non, on a profité pour tourner son matelas. Ouais, parce que vu le sable, il voulait pas qu'il traîne dans le sable. Il a tourné qui est normal. Ouais. Ouais, j'ai retourné que le matelas. Ouais, mais faudrait des gants et des chaussures de neige qu'on n'a pas. Vous voulez mettre les tongs en arrivant, les enfants? On va mettre les tongs en arrivant, ouais.